Desde los primeros escritos de la civilización, Plinio el Viejo en su obra Historia de la Naturaleza ya describía en sus textos a unas vaquitas alpinas con cualidades lecheras. Algunos atribuyen el origen de la raza tarrantés o tarín, como se le conoce comúnmente, a vacas que llegaron a España con los árabes y que luego se extendieron a Francia, teniendo su mayor asentamiento en el Valle de Tarrantés, en el departamento de Savoie. Luego, la raza se extendió a través de los Alpes y más tarde a través de las cadenas montañosas francesas, desde los Pirineos hasta la cordillera de los Vosgos, un sistema montañoso en el noroeste de Francia. Esta es una raza rústica, fértil, activa y de figura esbelta, preparada para las largas caminatas, de pecho amplio, que le da buena capacidad respiratoria y que mantienen su actividad de pastoreo y su producción de leche, aun cuando las condiciones climáticas son difíciles, en especial en estos lugares, donde la temperatura desciende a menos 5 grados o más en las mañanas y aumenta a 32 o 35 grados en las tardes, demostrando la gran capacidad que tienen para amortiguar altas variaciones en la temperatura. De las características de la raza tarrantés y de la producción del queso con denominación de origen Tom de Bouche, hablaremos en el programa de hoy. Bienvenidos. Dussolive. Agriculteur en Savoie, sur la commune de Bellecombe-en-Bauge. Et là, nous sommes sur le massif du Semnos, à 20 minutes d'Annecy. Alors, actuellement, il y a à peu près 50 laitières, 50-60 laitières. Il y a autant de génisses toutes tâches confondues. On a à peu près 50 hectares en bas, dans la vallée, et 100 hectares d'alpage. Alors la totalité du lait en transformation pour la Tom des Bauges est à peu près 50 000 litres fabriqués sur la ferme. La traite, ça dure à peu près une heure et demie l'été, l'hiver un peu plus, parce que les vaches sont attachées, donc on met un peu plus de temps. Après la journée, la fabrication, c'est grosso modo une grosse matinée pour la fabrication. Bon, l'hiver, il n'y a pas de fabrication, mais il faut s'occuper des bêtes, les nourrir, quoi. Et après l'après-midi, les foins, c'est selon le temps, c'est selon à peu près pour toute l'après-midi, quoi. Les vaches sont habituées qu'on n'ait pas d'horaire parce que quand on rentre du foin, ben, ça peut arriver qu'on monte tard. Ça fait que les vaches sont habituées à notre horaire à nous et pas, on n'a pas d'horaire fixe, quoi. Puis le soir, ça peut finir 20h ou comme 22h, quoi. Ah ben nous, c'est toujours adapté un peu à nos horaires parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. On aurait un ouvrier, ils auraient des horaires fixes, mais là on ne peut pas faire autrement, quoi. Ben, la ferme, mon grand-père avait déjà des tarines, mon père a repris l'exploitation, moi j'ai continué après eux, quoi. Là ça fait 40 ans qu'on vient ici, 40 ans d'alpage, on a toujours eu que de la race tarine, quoi. Donc moi c'est Alexandre Dussolier, je suis technicien en Riva en race tarentaise. Donc je m'occupe du schéma de sélection de la race tarentaise. Donc c'est la seule vache en France qui a deux noms officiels, donc c'est race tarentaise ou tarine aussi. On l'appelle plus souvent tarine que race tarentaise. Et après, les caractéristiques de la race, c'est une robe fauve unie, comme on voit ici, avec le tour des muqueuses noires, le tour des yeux, le tour de la vulve et également les sabots noirs. C'est une caractéristique. C'est comme ça qu'on reconnaît la race tarine. Et après, nous, ce qu'on recherche dans le schéma de sélection, c'est plutôt des animaux, pas forcément des gros gabarits en hauteur, en taille, plutôt des animaux sur. On travaille beaucoup sur la profondeur de poitrine et surtout de flanc pour l'ingestion. Du fourrage, l'alimentation principale de notre race. On recherche également des aplombs très solides pour la résistance à la marche, puisque la majorité de nos animaux sont en montagne ou dans des lieux, des conditions difficiles, donc il faut qu'elles soient adaptées.
Donc c'est également aussi pour ça qu'il y a le sabot noir. Après, on recherche beaucoup, on a beaucoup travaillé sur la partie mamelle, donc tout ce qui est attache, crayon, parce que c'est, l'éleveur s'en sert deux fois par jour pendant quasiment tous les jours. Donc on a beaucoup travaillé ça, on travaille un petit peu le lait, mais c'est pas une priorité vu que la majorité de la race produit du fromage avec des AOC, des AOP. Et du coup, sur beaucoup de cahiers des charges, elles sont limitées en quantité, donc on ne travaille pas forcément ça. Esta raza presenta un color de piel que puede variar entre el marrón y el rojizo. Su cabeza es relativamente corta, pero con un perfil recto y una frente amplia. Son de talla mediana, con alrededor de 135 centímetros de altura, medida desde la cruz. Pesos en promedio entre los 450 y los 550 kilogramos aproximadamente en las hembras. Las pezuñas, la cola, el hocico, las orejas y los ojos son de color negro. De hecho, estos últimos parecen como si estuvieran maquillados y ayudan a protegerla de los rayos nocivos del sol. La pigmentación de su piel también la ayuda en este propósito, especialmente a nivel de las ubres. La raza tarrantés produce una leche rica en proteínas y grasa muy valorizada en la producción de cuatro quesos con denominación de origen controlada. El Beaufort, el Rebluchon, el Abondance y el Tom de Bush. Hoy vamos a ir viendo cada uno de los pasos en la elaboración del queso Tom de Bush, un queso con denominación de origen protegido desde noviembre de 2002. En la antigüedad se le conocía como el queso que consumían los campesinos y era infaltable en cualquier comida. Un queso de aspecto curioso, con un sabor dulce y complejo, afrutado y con algunas notas a madera y terrosas. La fabricación de este queso se realiza en una cubeta de bronce con una capacidad máxima de 3.000 litros. El cuajado se realiza a una temperatura de 32 o 35 grados. Si se va a calentar esta mezcla, no debe sobrepasar los 40 grados centígrados. Y la dosis de cuajo debe permitir su endurecimiento en 20 minutos aproximadamente. Qui a été refroidi à 15 degrés hier soir, que j'ai remis dans le chaudron. Et ce matin, j'ai enlevé un petit peu la crème qui avait dessus pour faire un peu de beurre. On a rajouté la traite de ce matin, auquel j'ai ajouté des ferments pendant la traite du matin. Et après, j'ai mis la présure. Et en 30 minutes, c'est caillé. Et là, je m'en vais découvrir le caillé. Pour le durcir complètement. Là, ça commence à être bien compact. Je vais pouvoir commencer le trancher le caillé. Et là, je brasse pour bien que ce soit mélangé, pour qu'il soit bien, que ce soit bien tranché. Au reblochon, on fait qu'une fois par jour. Le reblochon puis le beaufort qui font deux fois. Voilà. Là, je laisse reposer un petit peu pour prendre ça prend un petit peu d'acidité pour et après je finis de découper en grains comme un grain de maïs à peu près. Voilà. On réchauffe pour durcir le grain, pour que le grain sèche. Voilà. Et après la chauffe, ça tourne encore 30 minutes au moins pour qu'il soit bien sec. Et après on moule.
peu là, quoi. Donc au niveau lait, la grande, les deux grands avantages de la rastarine, c'est qu'elles ont un rapport TB-TP très faible. Ce qui est très intéressant, c'est pour leur rendement fromager. Parce qu'en moyenne, la race est à peu près à 37 de TP et 32,5 de TP, de taux protéique. Donc elles ont un rapport très faible, c'est très intéressant pour le rendement. Et elles ont aussi dans les caséines. Donc on connaît la caséine A, la caséine B, qui est connue dans toutes les races. Et la particularité de la rastarine, c'est qu'on trouve également la kappa caséine C, et qui joue un rôle majeur aussi dans la fromageabilité du lait. La race tarentaise, on a toujours fait de la génétique avec, nous on a toujours eu que de ça. C'est une vache de montagne, c'est ce qu'il nous faut chez nous, quoi. Quand on est un peu en altitude, faut une race un peu rustique. Nous, la tarine nous plaît bien pour ça, quoi. Puis on a toujours fait de la sélection. Alors on continue, puis on continuera encore. Pour moi, et les meilleures vaches, nous, ce qu'on recherche un peu, c'est du, quand même un peu du gabarit. Des vaches qui se tiennent, puis des vaches qui font quand même du lait, quoi. Parce que c'est quand même ça qui nous font vivre, quoi. Mais on aime bien les grosses vaches, quoi. Nous, en moyenne, on est à 6000 de moyenne en tarine, ce qui est déjà pas mal. Et après, au niveau des taux, on n'a pas trop à se plaindre. Après, le problème, c'est qu'en tome d'ébauche, on est limité. On ne doit pas dépasser 6000 kg de lait par vache. Alors, bon, on essaie de se tenir un peu à ça, mais bon. Et ensuite, on travaille, alors ça ne se voit pas sur l'animal, mais on travaille beaucoup à la demande des éleveurs sur la reproduction, les bonnes capacités à reprendre le veau tous les ans, sur la résistance aux mammies cliniques et aux cellules, et à la longévité. Beaucoup sur les fonctionnels, parce que c'est une race qui est très économique, puisque un petit gabarit, elle valorise très bien les fourrages grossiers. Et du coup, on essaye de garder cet aspect pour les conditions difficiles, type alpage comme on est aujourd'hui, ou type conditions climatiques un peu plus extrêmes, puisqu'on a des tarines au Maroc, en Tunisie, je veux dire, dans des conditions difficiles. On en a au Canada ou pour la partie plus froide, en Albanie, etc. Donc on veut conserver cette rusticité de notre race, qui est notre atout majeur, puisque on n'ira jamais concurrencer les grandes races laitières. Donc Laura Belberini, responsable du pôle lait à Auriva. Donc mon rôle, c'est d'encadrer tout ce qui est offre génétique laitière pour la zone Auriva ou zone extérieure. En race tarentaise, on est responsable du schéma. Donc être responsable du schéma, c'est être capable de proposer à l'offre génétique des taureaux qui répondent à la fois aux besoins de la race, donc comme on vous l'a expliqué avec la typicité, certaines rusticités, et également une offre génétique qui réponde aux besoins des éleveurs. Les éleveurs sont principalement situés sur la zone des Savoie, mais on retrouve aussi des éleveurs en Lozère ou d'autres départements en France. Donc on essaye de créer une offre de taureaux la plus ouverte en termes de variabilité génétique, c'est-à-dire des pédigrés de taureaux diverses, mais également qui puissent répondre à des objectifs d'élevage comme de la production laitière avec un lait de qualité, des vaches bien conformées et qui répondent aux standards de la race, mais aussi des vaches fonctionnelles et qui ont un bon système mammaire. Pour construire une offre génétique, on recherche dans les élevages les meilleures femelles, donc qui demain nous feront naître des veaux mâles. En race tarentaise, on suit à peu près 360 femelles qu'on accouple durant la période, toute l'année, mais principalement de septembre à avril. Ensuite, une fois que ces femelles mettent bas, on prélève le veau pour génotypage, donc c'est-à-dire pour sélection génomique. Ça nous apporte une information de son potentiel génétique et en fonction, on choisit ou non de rentrer le taureau au centre de la mode Cervelex. Bah, du coup, moi, mon boulot premier, c'est le schéma de sélection, donc c'est créer les meilleurs taureaux possibles pour proposer la semence à l'insémination artificielle. Donc moi, je vais dans les exploitations agricoles qu'ont des rastarines, forcément, qu'on sélectionne les animaux sur leur pédigré,
pour garder une certaine variabilité dans la race. Et puis avec les caractéristiques que je vous expliquais, très bons aplombs, bonne capacité d'ingestion, des bons fonctionnels, etc. Si je trouve cet animal-là, je la couple avec l'offre génétique qu'on a et les taureaux des années précédentes pour essayer de créer le meilleur veau possible. Si ça fait un veau mâle, donc maintenant on travaille avec la sélection génomique. Du coup, on lui fait un prélèvement de cartilage. L'ADN est lu, donc c'est que de la lecture d'ADN, il n'y a pas de manipulation, c'est que de la lecture. Et suivant les critères qui ressortent, si c'est intéressant pour la race, c'est un taureau qu'on rentre à la station de croissance de la mode Servolex, où là il est élevé pendant un an jusqu'à ce qu'il ait l'âge de produire de la semence. Et après on fait des paillettes pour l'insémination artificielle. Mais mon cœur de métier en fait, c'est le travail d'accouplement et de sélection des mères à taureaux pour continuer à travailler sur la race, sur les objectifs que l'organisme de sélection nous donne. Después de cortada, la leche cuajada debe de quedar del tamaño de un grano de maíz para proceder al moldeado de los quesos, que se realiza de forma manual, recogiéndolos directamente con un recipiente plástico que se irá apilando uno encima del otro para darle forma al queso en grupos de 3 o 4 y durante un mínimo de 7 horas. Esa fue la vieja tradición. Al final del prensado, el pH del queso debe ser inferior a 5,50. Está prohibido el deslactosado y la adición de agua. Después de este proceso, el queso pasa a una sala para aplicarle una capa de sal. Esta se hace manualmente y en seco antes de ir a la cava para el refinado y la maduración, que se realizan a una temperatura entre los 10 y los 15 grados centígrados y con una humedad relativa mínima del 95% sobre tablas de madera sin cepillar de abeto, la madera más utilizada para la maduración de los quesos. Deben someterse a varios volteos, los primeros 15 días mínimo 3 veces por semana, a los 30 días, 2 veces por semana y después de este periodo, mínimo un cambio cada semana. La maduración es un proceso muy complejo. En este, el queso va a experimentar una serie de cambios físicos, químicos y microbiológicos, responsables del aspecto final, de su aroma y de su sabor. Bah, ça dépend, là j'en ai une qui a 14 ans, qui a déjà 11 lactations, c'est la plus vieille que j'ai. Elle est dans le top 5 des meilleures carrières de la race. Après, en moyenne, c'est ouais, 6, 7, pas plus quoi. Quand les vaches font un peu l'alpage, c'est quand même plus compliqué de tenir des vaches assez vieilles quoi. Ah bah la future génération, les enfants, on verra bien ce qu'ils feront, ouais. J'espère qu'ils continueront maintenant. Faut que ça leur plaise, pour le moment ça leur plaît, mais bon, ça on peut pas savoir quoi. Puis du moment qu'on peut rester en alpage toute notre vie, ça, je pense que ça sera le meilleur. Ça. Le jour où on ne pourra plus en aller en alpage, ça ne sera pas pareil. Hein? Faites gaffe, elle va cavaler, elle. Bah, l'avenir de la race, on va essayer d'en... On a toujours essayé de l'améliorer, donc c'est beaucoup travaillé sur cet aspect fonctionnel, puisque maintenant avec la sélection génomique, on a des valeurs plus précises et plus rapidement. Donc c'est vraiment travailler sur les fonctionnels, donc santé mamelle, longévité, reproduction, pour vraiment garder cette caractéristique vache rustique, pour qu'il correspond à notre environnement et qui permettra aussi à l'avenir de... répondre à notre environnement sociétal qui nous demande de produire le plus naturellement possible et avec le bien-être animal. Donc nous,
les animaux, l'été, ils passent en montagne, et l'hiver, bon, bah, malgré tout, il y a des conditions qui font qu'elles sont à l'intérieur. Et après, c'est de l'alimentation naturelle, et garder cette rusticité pour garder ça. Et puis développer un peu ces caséines kappa aussi pour travailler la fromagibilité et du fromage de qualité derrière. C'est notre cœur, notre objectif premier, c'est ça. Et après, c'est également aussi de développer la race en France et aussi dans les pays extérieurs pour proposer notre vache qui peut peut-être être utile dans des conditions plus difficiles, en altitude, dans des régions désertiques ou plus froides, etc. Alors la vision future, donc pour moi la race tarentaise, c'est une race très rustique qui s'adapte très très bien au climat, qu'il soit froid ou chaud, aux zones de montagne comme aux zones un petit peu moins montagneuses. Et ce qu'on souhaite, c'est garder cette typicité de la race, cette rusticité, cette capacité à valoriser les fourrages, à s'adapter à son environnement, à être capable de marcher. Et elle a aussi une identité très forte avec les fromages. Donc là, on est dans la Tome des Bauges. Elle est utilisée également pour le Beaufort. Et je pense qu'il est essentiel pour nous demain de valoriser cette image très, très atypique, je dirais. Localité des Savoies, les fromages derrière, et être plus en relation avec le consommateur demain. Et de montrer que c'est des vaches qui sont, j'allais dire, très, très naturelles. Très naturelles parce qu'elles sont capables de valoriser l'herbe, les fourrages, elles sont capables de faire du bon fromage et elles sont capables d'être calmes à côté de nous. Et je pense que les consommateurs demain, ils ont besoin de voir ça, que c'est des animaux en fait qui sont bien là où ils sont. Les vaches qui sont bien. Voilà. Hein? Esta combinación entre la rusticidad, las cualidades lecheras y la producción de carne se han reconocido en el extranjero. Actualmente se encuentran ejemplares de la raza tarrantés en Estados Unidos, en Canadá, en Italia y en países como Turquía, Egipto, en el norte de África, Irak, Irán, India y aquí en América Latina se encuentran presentes en países como México y Ecuador. En Francia, los hatos tarrantés se encuentran agrupados principalmente en los Alpes.